Draw me close to you. Never let me go. Effectivement, les Fennecs, eux, ont également échoué lors de leur première rencontre. Pour suivre la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Attention à cette boulette ici, la frappe de Feghouli, elle est contrée. Et l'accélération sur le côté gauche, encore une fois, du côté des défenseurs. Les Algériens s'envoient immédiatement par Mostefa. Avec obstruction peut-être. Non, rien ne signale l'arbitre. On voit ces images, il est assez difficile. Il n'est pas, on va dire, rectiligne. Et on... Voilà. On va dire légèrement en jeu de plus l'Algérie qui est davantage libérée. Le Togo a du mal. Le Togo a du mal, mais peut-être exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'aime et que coach Vahid l'aime parce qu'il a voulu donner une petite pointe supplémentaire offensive. Effectivement, pour le moment, on reste dans son match. Et c'est lui qui propose beaucoup de choses intéressantes à côté de Fouad Kadir. C'est encore lui, Feghouli, qui obtient ce corner. Tente un petit peu plus d'aller vers l'avant. Superbe geste ici, et c'est vrai que les Algériens sont toujours maîtres du ballon. Et on voit nos amis. C'est bien joué. L'ouverture du score du Togo. Agassa est là, un très bon centre du pied gauche de la part du joueur du Vitória Portugal. Tout à l'heure, il multiplie les occasions. Là, allez, contre-attaque algérienne. Et c'est mal négocié par les Algériens. On est sur place, on n'est pas en mouvement. À part quelques joueurs comme celui-là, Adlen Guedouira, la faute peut-être, et 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs togolais contre 4 ou 5 attaquants algériens. Ça va être difficile hein, face à cette sélection togolaise. On le sait, hein, ils sont beaucoup plus affûtés physiquement, un petit peu plus grands, ce qui fait que eh bien, dans les duels aériens, c'est un petit peu plus difficile hein, pour les Algériens, Alexandre. Parce qu'elle était puissante, qu'il y avait beaucoup de monde, et que les gardiens n'auraient peut-être pas pu voir le départ de la balle. Là, ils s'en sortent bien sur ce coup, mais la défense... On va vous faire vibrer tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, et on peut vous donner quelques informations, notamment concernant le match qui a précédé, vous qui n'étiez pas présent, ou vous qui n'avez pas pu suivre eh bien, le résultat du match entre la Côte d'Ivoire et l'Océan. C'est dans le classement de la Côte d'Ivoire. Est première et s'est qualifiée, c'est la première sélection qui s'est qualifiée pour le prochain tour avec 6 points. La Tunisie derrière avec cette belle contre-attaque togolaise. Attention ici à la frappe et le deuxième but. Marche sur la voie de son illustre prédécesseur. Les deux ont porté les couleurs de l'étoile qui a tenté de trouver un partenaire en profondeur. Joueur du Coton Sport au Cameroun. Ils vont gérer tranquillement, essayer de jouer le moindre petit coup offensif avec normalement avec des ailiers comme Gradel et Gervinho qui font souvent la différence. Avec Drogba en pointe et Yaya Touré souvent en deuxième attaquant, ça peut vite faire un deuxième but. Et c'est Gradel qui se fait demander pour un tirage de maillot au départ de l'action. La pelouse s'affuse un petit peu, hein, le ballon paraissait un peu court sur le moment et finalement il n'était pas si mal que ça. Il était bien dosé finalement et c'est Agassa qui a bien joué la défense, bien joué Bossou. Il a laissé trop d'espace entre lui et Adebayor. Là on voit une faute sur effectivement tirage de maillot sur Drogba. Ah, c'est gêné hein. Comment arrêter Drogba? Gervinho qu'on revoit ici en action, le centre malheureusement qui ne trouve pas preneur. Là il se fait marcher sur la cheville. En profondeur cette fois-ci, il a manqué son crochet mais il n'a pas perdu le ballon pour autant. Radel et bon retour de Romao. Ameou. De trouver Djéné, c'est fait. Allez Djéné l'extérieur, le ballon qui lui revient. Avec Djéné qui a du champ, qui n'est pas attaqué directement. Un petit tap face à Didier Drogba. Gervinho qui est le meilleur ivoirien sur la pelouse pour l'instant. Qui a trouvé une solution plus excentrée. On est complètement sur la droite avec Gervinho. Qui a le soutien déboué. Kokora. Et bonne défense togolaise. Ah, il s'est dit, celui-là, ce ballon, je l'ai. Je le sers contre moi.
Et c'est pas terminé, les Ivoiriens qui vont essayer d'accélérer avec Gervinho. Gervinho toujours. Gervinho encore. Et bien défendu de la part de Djéné. Il ne s'est pas laissé embarquer pour autant. Ah, solide la Djéné, voilà, on ne prend pas de risque, mais on a contenu Gervinho. Ouais, pas facile, hein. Belle débauche d'énergie de Djéné. Je fais de réparation, Salomon Kalou qui garde le ballon. Elle cherche une solution. Deuxième poteau, c'est Djéné qui sera le premier sur ce ballon. Il faut relancer proprement. C'est ce qu'il fait, c'est bien joué. Floyd Haïté, terrible pour les nerfs moralement, pour le Togo, mais qui va essayer de repartir. Action long ballon. Ah, et la remise trop profonde, trop longue. Bayor. Vous voulez qu'il joue leur va-tout, la petite louche d'Adebayor, le ballon prolongé. Oh, quelle occasion pour le Togo. Énorme occasion. Miné, c'est le Cap Vert et l'Afrique du Sud qui sont passés dans ce groupe A. Puis les trois matchs. Je crois que ça sera plus difficile à passer pour les attaquants tunisiens. Concédant déjà deux grosses occasions et sur la troisième, ça a fait mouche pour le Togo. La sélection qu'on sent très bien placée, on sent que les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire, le positionnement qu'ils ont sur le terrain. Ballon pour l'instant. Lui qui est placé comme ailier droit. Et justement, bah c'est voilà. Lui qui récupère. Ouais, et là, il y a à nouveau qui essaie d'attaquer sur le côté gauche avec Msakni qui essaie de trouver Kasri de l'autre côté. Et Djéné qui est obligé de mettre en corner. Il me semble que c'est Klifa sur le côté gauche hein, qui a pris un peu son poste habituel à Evian et en équipe nationale qui passe en vitesse et qui centre instantanément du pied gauche. Et Kasri qui est devancé par son défenseur. Complètement. Cette équipe tunisienne, on va voir si les joueurs arrivent enfin à se libérer. Que vraiment Klifa était meilleur sur son côté. Et apporte. Et le problème de Travelsi, c'est d'avoir deux joueurs. Dans transversal, c'est pour Sanou. Très bon contrôle. Intervention de Djéné. Très bon contrôle de Sanou. Tout à fait. C'est un élément à suivre. Kroipa qui a tenté le 1-2. Ça va être difficile, mais il est tellement rapide. Il a perdu le ballon, oui. Bonne défense de Djéné. Très bonne. Djéné, il fait un sans faute là pour l'instant. Devant son but, va repartir. Puis Troipa qui est bousculé. Attention. Aïe, 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 Djéné qui est arrivé un peu trop fort sur son adversaire. Il s'excuse. Il fait cette petite déviation côté burkinabé. Djéné. Voilà. Bonne défense. Djéné, on le préfère comme ça. On le préfère comme ça que de donner les coups qui vont faire mal. Vaut mieux avoir des gestes défensifs de cette classe-là. C'est mieux. C'est bien. Son match, en tout cas, porte ses fruits maintenant. Et en face, c'est pas mal aussi du côté du Togo, puisque le Togo a ramené en 2007. Un peu vu depuis le début de la deuxième mi-temps. Sanou qui va provoquer. Pitroipa. Gano, la déviation, c'est bien joué. Pitroipa. Présent, plus présent, il faut qu'il soit. Encore Pitroipa qui fait un beau travail, là, mais contré par Djéné.